Alors, les probords, c'est là et là. Est-ce que j'ai envie de jouer assez vif? Ça ou ça? Ou est-ce que j'ai envie d'aller direct titiller? Je pense que je vais aller. Et peut-être faire Tenuki. Ou peut-être aller directement en E16, je pense. Ouais, Tenuki, ok. Le 8 au capucin. Peut-être, je ne sais pas encore en fait. C'est pour ça que j'ai pas répondu et que je me suis obtenu. Si, est-ce que je veux aller sur le bord sud? Il est encore exploitable. Est-ce que je veux pincer? Assez bas ici, donc. On va répondre tranquillement. Là, je pense qu'il va revenir ici. Pas mal. Ouais. Ok. Donc cette pierre, elle respire encore parce qu'elle a une direction. Une deuxième. Bon, deux et demi, on va dire que ça, c'est pas très propre. Il faudrait direct aller au contact presque pour construire, donc c'est pas possible. Le coin, c'est différent. Donc pour l'instant, ça va. Je me demande si je ferais pas Tenuki, je sais. J'hésite à prendre le Sansan. Parce qu'après, s'il vient se développer un peu, là, s'il y a une séquence qui finit Sente, il pourrait se développer sur le bord sud et d'un seul coup, il développerait des deux côtés. Ce serait intéressant pour lui. Pense si je prends le Sansan, s'il me pousse. Le bord d'eau. Ce bord-là perd de l'intérêt. Par là, je vais là, tac, tac. Aussi. Ouais, l'approche peut-être. Peut-être. Mais en même temps, j'ai peur que ça renforce trop ici un bord qui est déjà costaud. Je réfléchissais à des coups plus vers D10, D9 aussi. Contre-pincé. Cette approche qui pourrait me donner après le C6. On va tenter. Je vois souvent ça dans certaines parties. Là, sauf que la différence, c'est que je suis peut-être un peu proche de sa pierre. Mais je vois souvent ça et j'ai envie de tester, voir un peu ce que ça donne. Ce café. Ok. Accepté. Ok, donc maintenant, le groupe, on va faire quelque chose. Là, j'ai une direction vers le centre. Et sa pierre, c'est la même situation donc. En même temps, si je vais ici, s'il va là, je vais là. Il protège juste sa coupe. Je vais ici. Plutôt content. Tac, tac, tac. S'il part maintenant. Dangereux pour lui. Je vais le contact. Musique est peut-être un peu forte. Ok. Ça. Ça.
Il doit réfléchir au Kema, ce Kema ci ou ce Kema là. Après il y a ça, je vais là, pas ici. Je pense que j'aurais été là à sa place d'abord. Il a peut-être peur du tac et ensuite ici. C'est pas une première partie folle. Hein. Parce que là, il y a ça, tac, tac. Ici, la faiblesse qui se réveille. Ouais, j'ai loupé quelque chose au début de partie, là. Est-ce que ça, c'était vrai, effectivement, trop proche, du coup? Ouais. J'aurais pas fait ce coup-là à sa place. Là, une fois, et quand il recule, on est obligé de protéger quelque part une coupe. Je pense qu'il a fait une petite erreur de lecture ici. Et là, il est en train de s'en rendre compte parce que là, tac, tac, pensait que ça passerait. Ça ne passe pas. Ils sont après, tac, il est devant. C'est cool pour Noir. Donc là, il est obligé de reculer. Sauf qu'après, quand je protège, il vit. Ouais. Et là du coup il se dit maintenant quand je vais les protéger là. Il y a la montée ici qui peut être chiante de deux côtés. Bon, on va d'abord protéger. Après il a des faiblesses donc je pense que je peux toujours trifouiller. Hop là. Ok. J'ai rien à perdre à jouer ça, je pense. Plus ça me donne ça gratuit. Faut que je fasse attention à mes libertés. Parce que quand il monte là, il y a un petit problème. Ce timing, je l'aurais pas. Ici. Par contre, ouais. Il s'est enfermé un peu tout seul, hein, je trouve. Il y avait beaucoup mieux pour lui. Hein. Ça démarre d'une erreur de ma part. Quand je vais là, il va là. Merde, j'ai pas besoin de tuer non plus, je suis direct à tuer, c'est horrible. Rien que ça, là, j'ai fait un gain, en fait. J'ai enfermé. Ici, il est pas encore sur les points, il en a une dizaine, on va dire, pour l'instant. Là, il en aura 3-4. J'ai une force. Pardon? Il est vivant là? Ah, je vais prendre quand même une 2 minutes pour réfléchir parce que c'est bizarre quoi. Si je jouais en B11, c'était peut-être un peu lent. Mais là, en fait, je comprends pas pourquoi lui-même joue pas en B11. En fait, le truc, c'est que si je jouais pas la protection, que j'allais en B11. De toute façon, il jouait là. Je descends, il va là, ben, il a ses deux yeux, et je dois quand même protéger la coupe. Donc autant de protéger la coupe, c'est beaucoup plus agréable, et que ça soit à lui de répondre. Et là, je finis Sente, contrairement au goûter tout à l'heure. Mais là, par contre, justement, le Sente, je veux le prendre, il me dit non. Non, non, t'inquiète, je vis. Et. Peut-être que c'est pas le premier bon coup, ça. Mais il reste quand même quelques petites faiblesses. Mais ça, par exemple, un B12, il descend, je prends, c'est fini, donc il peut pas descendre là. S'il descend ici, je vais là. B11.
B13. Non, s'il joue B11, il joue B12. Et là, je suis obligé de descendre et il va en C13 et il est vivant. Je pense qu'on regardera ça à la fin de partie, si tu veux. Après, voilà, même s'il meurt, bon, c'est gros, et il aura eu un coup. Et en deuxième ici... Non, peut-être pas la priorité ici. Ça va plutôt être là. Ou là, ou Sensen. Ok. Je vais là. Elle est là. Je pense qu'il vise le B15. Je vais là. J'ai mal à suivre ce qu'il veut faire là. Pardon. J'ai du mal à comprendre. Et s'il voulait tenter quelque chose avec son le coup en B15, c'était à la place de B10, je pense. Mais je suis pas sûr que ça marche. En fait, j'aurais fait la tari dans ce sens-là. 15, répondait B16, et j'allais ici. Comme ça, il pouvait plus revenir mettre la tari, parce qu'il était en... il avait plus que de liberté. Bref. Mal à voir où il mène là en fait. Ok. Donc, encore une fois, je suis pas forcément sorti de l'auberge. J'ai les points là, c'est tout. Après, j'ai un potentiel sur le centre qui est plus puissant que lui. En fin de compte. Ici, le burner commence à être super gros pour lui. Est-ce que j'ai envie pour autant de venir pincer? Je peux monter. Je vais là. Et il va là. Direct, c'est un peu compliqué. Ou est-ce que je pencherais pas plutôt pour une pince haute? Justement, pour mettre en valeur tout ça. Et comme j'ai fait pas mal de points bruts... Juste me dire, je joue tranquille à lui retirer un peu de points. Tu n'arrives pas à charger la vidéo plus de quelques secondes. Bizarre. Bon, ça, à chaque fois que tu utilises ta page, ça se coupe direct? Ok, donc il va là. Ouais, c'est quand même mieux, parce que là, du coup, il pourra pas me faire ce coup-là lui-même. Est-ce que j'ai envie de... Normalement, j'aurais envie d'aller haut tous les jours, par rapport à la baston ici. Comme il est placé bas, là-bas. Si un jour, j'arrive à avoir ce coup-là, qui est la suite quand blanc fait Tenuki ici, souvent, on aime bien rajouter un coup ici. Je pense que je vais plutôt penser au local pour l'instant. Même s'il fait une extension, ses pierres ne sont pas en danger. J'ai une direction vers le centre, une direction vers le bord, une direction vers le coin. En ayant une espèce de base de vie. Intermittent. C'est bizarre. Je sais pas si ça vient de chez toi ou pas.
Je vois qu'il y a d'autres personnes qui regardent, ça vous fait ça aussi ou... Et bienvenue à vous d'ailleurs. Alors, le Bocchi. Là, faudra que je fasse gaffe à ses libertés et en même temps que je fasse gaffe. Je pense que je vais jouer. C'est chez lui. Après, à ça, il pourrait prendre la tournure ici. C'est pas le meilleur. Et des coups comme ça, par exemple. Oups. Ça a l'air pas mal. Termes de points. Il n'y en a pas beaucoup, il a cover ici où il y a quelques points sûrs. Mais ici, comme il a joué large, c'est même pas des. Il reste des faiblesses quoi. Chercher la coupe absolument. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une faiblesse ici, donc je peux juste. Pour le moment, du moins. Cette pierre, je peux la sacrifier. Le but, c'était qu'il ne se fasse pas tout bord. Je vais y aller. Ah. Je vais en H18. Ça réveille pas mal ça, je trouve. Ah, il va là. De créer deux problèmes à la fois et en même temps s'il répond vers là. Ah. Oui, quand même. Pense qu'il y a des problèmes hein, si je joue là. Peut-être qu'il faudra que je fasse Atari d'abord. Bon, il a fait... Je pense que ce coup est une erreur, et là par contre, c'est il faut aller au bout de son idée quand même. Je vais peut-être faire Atari d'abord, parce que sinon, on voit qu'ici ça va commencer à être chaud direct. Alors que là, s'il va là, je fais ça et snap back. On va d'abord faire ça. Connecter virtuellement les pierres. Et en fait, rien que ça. Rien que ça marche, non? Tac, tac. Là qui va pas. Peut-être ici alors.
continue. Ok. Capturer. Oui, c'est peut-être... simple de jouer comme ça. Bon, bah, il y amène quand même. Est-ce que je capturerai? Comme ça, il lui reste. Moi, je suis tranquille et lui, il lui reste quand même des problèmes. Et finalement, bon, je perds des pierres, mais j'ai beaucoup plus de points ici qu'il n'en a là. Je suis assez content. Je pense que je pouvais avoir mieux, mais. Notamment en jouant D18, mais je voulais pas prendre trop de risques. Ok, bon, ça, je m'en fiche. Ok, ok. Alors, il faut que je regarde quand même. Est-ce qu'ici il n'y a pas de problème? Il va là. Je vais saisir ce timing. Oh là, j'ai plus de deux périodes de 30 secondes. C'est court, 15 minutes. Oh, lui, il lui reste 8. Bon. Ok. Legit. J'ai envie de faire l'atari ici. Je pense pas, parce que ça serait lui donner une force sur l'extérieur que je n'ai pas envie de lâcher. Ok. Si je vais là, il va là, ça m'embête un peu. Tant si je viens là, on va venir ici. Non, il y a un problème de forme que je dois régler. De manière, s'il vient là, moi j'ai ça, donc c'est équivalent. Donc. Là, il vient à la recherche de points. Ce qui va être cool, c'est que ça risque de réveiller de la G. Très grandement même. Ah là, je pense qu'il commence à. Je sais pas, hein, je suis pas certain de ses coups. Certes, c'est gros. Et si c'est pour perdre tout ce qu'il y a là? J'ai la pression du temps. Ça va pas jouer en ma faveur. Juste avancer. Je pense pas qu'il puisse aller là, hein, tac. Bon, on va laisser. Oh,
Juste je sais. Et 18, ça restera pour plus tard, on va dire. Qu'il y a pas mal de G dans cette fin. Ici, notamment dans la forme. Et que la faiblesse c'est ici, donc ça me donne envie d'aller là directement. Profiter parce que j'ai une force quand même à l'extérieur. Donc juste isoler cette pierre, je pense que je suis content. On va juste monter vers ma force. Je pense que c'est pas bon ce que j'ai fait localement, mais par rapport à ces deux pierres, ça peut apporter quelque chose de sympa. Même s'il fait un saut, il est vachement surconcentré en fait. Et moi je suis solide donc je risque pas grand chose. Oh merde. Pff. Oh j'ai rien dit. Aïe aïe aïe. Oh c'était pas très futé de ma part. Ah, fait chier, j'ai plus que 30 secondes à chaque fois, ça c'est lourd. Tac tac. C'est hyper gros en fait, du coup, maintenant. C'est vachement rattrapé. Non ouais. Avec ceci. Ok. C'est bête, j'étais bien en avance. Et normalement, c'est soit il a ça, des trucs genre, et j'ai laissé les deux. Un peu dommage. Ok, bon, il va chercher le fight, ok. Il faut qu'il fasse attention ici, parce que dès qu'il y a ça, ça peut se réveiller un peu. Après, normalement, ça va, hein. Juste un coup blanc ici, ça suffit. C'est quoi son niveau, ce temps-ci et tout? Ah oui, c'est un Dan solide, ça fait deux ans, un an qu'il est... Un an minimum qu'il est de Dan. C'est du solide. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je suis pas sûr qu'il avait besoin de faire ça en fait. Je suppose, mais si c'est vivant, hein, de toute façon.
Là maintenant, t'as des pierres que tu vas devoir sauver. Pas certain. Ok. Alors à moi maintenant de bien guider ça. Là, tout simplement. C'est dommage, là, il laisse une grosse fenêtre à noir pour clore la partie directement. Ok. Faut pas qu'il réveille les faiblesses ici, hein, parce que si je joue là, il prend la pierre, je vais là, il prend, je vais là, tac. Ici, il y a 3 contre 2, donc il faut pas qu'il perde une liberté ici. On va aller vers là, on guide vers là où il y a une faiblesse, hein, je pense. Ils sont pas cons. Et s'il va ici, il va là. Ok. C'est dangereux ce qu'il entreprend, je trouve. Obligé. Tac tac. Donc même maintenant encore s'il me pousse là, tac tac. Que ça ne 6 pouces vers là ensuite tac a l'air d'aller j'ai pas le temps c'est dommage je peux pas lire je suis plus à l'institution qu'autre chose ouais effectivement il doit vivre par là. Sauver ça un peu, aider. Ça va être dur pour Blanc, il me semble. Ça a l'air, en tout cas. Ah, il est même pas encore dans le BEMI, quoi. C'est incroyable. Ok. J'ai joué ça, santé. Capture, je pense. Il peut peut-être aller là. Ça fait pas grand-chose. Je pense que ça me renforce plus qu'autre chose. Je pense que là, il capture. Et je vais en J2. Et ensuite, il tente des trucs comme M5. Pas sûr que ce soit une bonne idée de faire ça. Parce que j'aurais pu regarder ses pierres, en fait. Et du coup, quand il va en M5 maintenant, au moins, j'ai pas regardé ça. Oui, effectivement, ça fait ça. Ça n'a pas créé de possibilité d'œil ou quoi que ce soit en fait. Est-ce que si je peux aller là, tac tac. Quand il descend, je vais là. Ça a l'air d'aller quand même. Il y a liberté ici.
Je viens ici. Je pense que ça passe pas son truc. Après, il faut que je fasse attention maintenant à des coups vers L5, L7, pardon. Et il va chercher vraiment. Oh, ça mettra beaucoup de temps à faire quelque chose ici. Bon, petit cachet, on répond normal. Ouais, maintenant il le tente, mais je pense qu'il fallait le tenter avant. Il coupe. Il a envie de trouver un moyen de que je comble moi-même cette liberté en fait. Et même s'il avait pas cette liberté, il était chaud pour lui quand même. C'est dur quand même. En plus j'ai ça qui est senté et tout. Ok, donc il abandonne cette idée. Maintenant quoi? Je vais faire une connerie ici. Là, je suis obligé en fait d'aller là. Sauf que effectivement, du coup, cette pierre et ça, ça va être séparé. Mais à n'importe quel moment, dès que j'aurai 3 libertés ici ou 4, il y aura ça, tac, capture. Et ça peut respirer assez facilement, je pense quand même. Bon, ça va être compliqué. Je vais lire 2 secondes. Je vais ici. Liberté, donc il tourne. Sinon, j'ai le droit. Ici. Cela. Attendez pas ça. Ah, la musique est finie. Ouais, il est obligé parce que là il manque de liberté. Oh, je vais dans la forme. Ah, il est rentré en biomie, ça c'est cool. Cool pour moi ça. Ça fait depuis la moitié de partie, je suis à une période limite de biomie. Ok. Ah. J'ai ça. Ça commence à puer pour lui. Ça.
J'ai vraiment une mauvaise forme ici. Ça pue depuis un moment, il essaie de créer des opportunités, mais tout foire. Ouais, tout, je sais pas, mais... C'est compliqué pour moi aussi, hein. Là j'ai... Là il n'y a plus qu'une... Je me demande si l'angle vide c'est pas juste ce qui passe. Si je l'enforce trop de ce côté. C'est bon, il rentre dans la... Ah non, mince, il lui reste deux. Okay. Encore deux périodes. Sa seule chance de victoire est que tu perdes autant. Non, je suis pas d'accord, c'est... Ah, tu vois là, je vois les coups comme ça, aussi bien ça va finir en séquille au milieu. Et après, il a quelques points quand même. Hein. Il a... Les coins. Ah, en vrai, c'est pas... Pas fini, fini. On va faire ça. C'est un peu gratuit, je pense. Comme ça protège cette forme. Ici, il pourra plus s'en sortir. Tac, tac, tac. On va pousser une fois ici. Sauver ce truc-là. Et ensuite, on va jouer un truc vers là pour empêcher le séki, justement. Bon, ici, on perdra une grosse pierre, mais bon, tant pis. Là, ça sera compliqué de la sauver. On va jouer ça aussi, ça renforce pas mal parce que sinon ici, ouais. On joue tous les coups forçants et après... À faire c'est qui N12. Ouais, mais de toute façon, la liberté, elle compte pas comme ça va faire Seki au milieu. Et c'est surtout parce que si à un moment, il vient ici, que je bloque, qu'il coupe et que je veux la pierre, ben, il refait l'atari de l'autre côté et là, il capturait ce groupe. Alors que là, non, avec ça, ça aide beaucoup. Mais je conçois que c'était pas un coup idéal, c'est pas un bon coup, c'est... Ah oui, je vois. Ok. Ça, quand il va là, je pourrais pas aller là direct. Il gagne une liberté. Mais sauf que je l'ai ici aussi. Et ici, c'est logique. Par contre, je suis touché, désolé. Dis-moi. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Petit, viens ici, je vais là.
Ils veulent... Non, j'ai pas le droit de faire ça. Ok. Même là, avec cette pierre, j'ai pas le droit, quoi. C'est incroyable. C'est gros. Très très gros. Je peux pas aller là. Qu'est-ce qui me reste d'intéressant? Ah, par là. Ça a l'air plutôt cool de faire chier ça. J'ai été gourmand peut-être un peu. Ah, pff, je suis en train de faire le con là. Je suis en train d'abonner tout mon... Tout ça. Chier. Bon, c'était une bêtise. Bêtise. Aïe aïe aïe. Bon, c'est chiant. De bêtises. J'ai pas du tout compté. J'aurais peut-être dû. Ça c'est assez gros. On va peut-être prendre le santé d'abord. Ça qui est pas mal. Bon, un point, mais ça solide un peu l'opposition. Là, c'est vraiment par là que j'ai envie de faire quelque chose. Si je joue là, il joue là, je pense.
Et ça m'étrépitera de faire une erreur ici. De pas avoir deux yeux, ce serait dommage. Ok. Tac, tac. Il pousse là. Et là. Aïe, aïe, aïe. Bon, il l'a pas vu, mais ici, il me capturait des pierres. Ah là là. Les erreurs de forme. Ouais, chier. J'ai juste de le voir. Chier. Oh là là. C'est nul. Bon ben, j'ai pas forcément gagné là. Ah, putain, le gâchis quoi. C'est plus grand chose, hein. C'est la fin du Yosé. Des coups comme M14, tac. Ça arrive, oui. Oh, mais... sympa, ouais, ça d'avoir. Je pense que c'est plus gros que à côté. Ça, mais de toute façon, s'il va là, c'est déjà mauvais pour lui. Même si je gagne, j'ai globalement pas très bien joué. Bon, ça menace pas grand chose. Ça menace pas grand chose, ouais, c'est mieux ça. J'aurais dû aller là. Il y a des petits trucs, je pense. Oui, bon là il n'y a plus rien. Rien d'incroyable. Tu captures. Ensuite, plus grand chose hein, de valeur quoi. Ça c'est pas fait.
Qu'est-ce qu'il fait? Hello? Ouais. Cru qu'il allait perdre par le temps. C'est un peu bête après cette partie. Encore un coup ici, bah ici il devra rajouter un coup donc c'est cool. Tac 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 tac. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Commis déjà 0,5. Bah oui, j'ai les deux. C'est un peu tard maintenant. J'aurais bien un œil ici, un œil là. Il fallait penser avant. Du coup, il fallait jouer ça. De liberté pour que ça fasse quelque chose tout de suite en fait. Pas trop pourquoi il a joué ça. Je ne sais pas. C'est un point, hein. Il n'y a qu'un point partout. Et moi, ça valide celui-là. Du centre. Oh, pas comme ça. Pas comme ça. C'est bête. C'est bête, c'est bête. Il y a eu des grosses erreurs dans cette partie. Hein. Lui là, ensuite moi là, lui là. Des grosses erreurs de lecture. Dommage parce que j'ai l'impression que c'est un adversaire qui aime bien réfléchir aussi un petit peu quand même. Donc peut-être une partie à 30 minutes chacun, ça aurait été un peu plus intéressant. Il y a vraiment quelque chose là, tac tac tac. Faire ça, hein. De toute façon, il faudrait que je le fasse. Survie du moins main apte, comment ça? Point.
l'impression qu'il n'y a plus de points. Bah non, oui, mais on va pas jouer tous les damés, mon gars, quoi. Et alors, tu me mettras en Atari et quoi, je... Non, règle japonaise. Film, il n'y a plus de points. Ouais, voilà. Oh, il compte ses points. S'il y avait quoi? Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va dire que ça va rester 16. Non, j'étais devant quand même. Ok. Ok, ça change pas sur ça, heureusement. Je récupère le 2 Dan, ça c'est bien. Ok, bon, on va regarder ça. 2 sur le disque. Et F5, ouais. Et tago. Hop. Charger une partie. Et c'était lui. Ouais, c'est ça. Au début, il fait des grosses erreurs. Là, je le laisse rattraper. Il en refait une deuxième. Celle-là, je vois pas ce que c'est, la deuxième. Si, c'est bah, c'est le meurtre au milieu, en fait. Et je ne réponds pas bien. Et à la fin, sa petite erreur. Mais d'accord, il n'y a pas eu un moment où il était devant. C'était là le moment où il était le plus proche, quoi. Ouais, là où je fais un peu les conneries. Ok, bon, on va regarder ça. On va regarder ça. Un peu la musique 2 secondes. Hop. Alors. Début de la partie, on s'en fiche un peu. Tac. Classique. Ça, c'est une première erreur. C'était ce que tu disais de faire. Ouais, Antoine, toi, tu disais ça. Ouais, voilà, tout simplement. Et cette pierre, elle est pas facile à attaquer ou à tuer, en tout cas. Quand je fais ça... Voilà. Pas très fan, ouais, effectivement, peut-être attaquer la pierre tranquillement, quoi. Tac. A priori... Un grossier... Ici, j'avais mal entouré, mais il s'est suicidé, j'ai l'impression. Parce que là, en fait, quand il fait ça, j'ai l'impression qu'il y a... Non, ok, d'ailleurs. Okay. Ah, d'ailleurs, j'étais en erreur jusque-là, d'accord. Bon, déjà, je vais regarder qu'est-ce qui se passe un peu avec ça. Ah, ça, c'est toujours... Mais en même temps, maintenant, la pierre, elle pourra plus faire grand-chose. Ceci étant, j'ai été là tout de suite. Pas choquant. Ici, je peux aller là? Ouais. Le PC est très fort pour dire là. Les trois pierres vont être ok. Il y a ça, il se passe quoi? Maintenant, je peux couper. Je vais la voir pourquoi je peux pas couper maintenant. Parce que le score change pas tellement en fait.
Ouais, c'est peut-être un peu trop. On va juste prendre à partir du moment où il a fait grosse erreur. C'est à partir de là où ça commence à partir en vrille, à prouver. Ok, donc moi je regardais beaucoup cette coupe. Il ne marchait pas effectivement. Je pense que c'est ce qu'il avait lu au début. Sauf que ça ne marche pas. Je n'ai pas regardé cette coupe. Et. Ouais, il s'en sort plus vers l'extérieur. Ok, d'accord. Et il est synthé, c'est cool. D'accord. Lui, il a reculé, je le protège. Et là, ouais, c'est ça, c'est. Il a été ici. Mais moi, je pensais vraiment qu'il allait jouer ce coup en créant deux problèmes à la fois, quoi. La pierre et le groupe qui est un peu faible, quoi. Partir sur un semaille, quoi. Il faut commencer par l'autre côté, d'accord. C'est vrai que souvent on dit dans des situations un peu comme ça qu'il faut commencer par le côté qu'on ne désire pas. Non, c'était 1,5. J'ai été là, moi. Lui, c'est toujours le même truc. Il va là. Voilà, c'est plus facile pour Noir de répondre que pour. Voilà. Et je n'ai pas besoin de protéger la coupe, ok. Est-ce qu'il y a un. J'ai même pas pris le temps de lire, ça c'est un peu triste. Il y a un chichou, ok. Protège de la coupe. Si, ouais, ça c'est vraiment très large en fait. C'est un peu dommage. Parce qu'il est très proche, ma force est très proche, donc là je pense que t'as plus envie de jouer comme ça, quoi. Non. Je vais là tout de suite, quoi. Ok. Alors, on va là. Ici, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Je vais là, ouais. D'ailleurs, je t'avais dit tout à l'heure qu'on regarderait ça. Toi, tu disais ça. Même avant ça, en fait. À la place de protéger, tu disais ça. Et du coup, ce que je te montrais, c'est que s'il y a ça, et ça, tac, il vend, en fait. Donc il se passe rien. Là il descend, je vais là. Si je regardais ça, je me demandais si ça marchait ou pas. Oui, non. Ça qui sont. Et eux ils proposent ça. C'est un peu au même. Juste qu'ils gardent les points plus sûrs, quoi. Ok. La noire est largement en avance et blanc va ailleurs. Et eux ils disent répare ta faiblesse. Ok. On va se diriger vers ici. Ou après, oui, il y a une grosse erreur encore. Effectivement, ici, là, je pensais bien c'était le coup en M5 qu'il fallait. Il y a plus de problèmes de coupe. C'est dommage. Ouais. En fait, ici, il me renforce plus qu'autre chose. Je suis très content. Quand on te fait un kikashi, de toute façon, tu réponds. Et. Ce qui se passe, quoi. Là, en somme, le kikashi, il aide rien. En fait, il n'y a pas de pierre blanche ici. C'est pas ça qu'il faut faire, quoi. Et au pire, pour plus tard, peut-être qu'il y aurait moyen pour faire deux yeux, quoi. C'est un peu dommage. Donc, c'était ça, ses erreurs. Tac. Si je dois aller là d'abord, ok. Gagner plus de liberté. Et après, protéger. Ok, ouais. Okay. Ah, je suis content, là, j'ai bien trouvé. Bon, après, c'est le coup de forme. Tac. Et il a joué ça. Et là, j'ai mal répondu. Ça, en fait,
Dans ma tête, c'était vraiment, ah, il peut pas faire ça, voilà. Ouais, mais il y a d'autres solutions, quoi. Là, quand je fais ça, ça c'est très douloureux. C'est là où c'est parti en couille. C'est dommage. J'ai une fenêtre. Du coup, si je fais ça, il va là, j'ai ça, fin de l'histoire. S'il va là. Maintenant, ça tue complètement les pierres. Ah. Dommage, en fait, là, si je fais ça, la partie est finie. Je pense qu'il a. Il fait peut-être un ou deux coups et il abandonne, quoi. C'est beaucoup trop. Ouais, là, j'ai pas su saisir mon timing. Et du coup, ça dégringole. Est-ce que je pouvais mieux m'en sortir? C'était quoi, du coup, qui me. Ça. S'y protège. Et d'accord, ouais. Et c'est le même principe que tout à l'heure avec ça et ça. Ok. Donc je perds une dizaine de points dans l'affaire, mais ça va, quoi. Ok. Dommage. J'ai pas eu. Après, dès là, j'étais déjà dans les 30 secondes, donc pour jouer, pas pour réfléchir, c'était compliqué, quoi. J'ai pas pris le temps. J'aurais dû me servir plus de son temps pour réfléchir, d'ailleurs. Oui, effectivement, oui. Il y a eu un dernier. Voilà, c'est la dégringolade parce que je force sur ça, alors que non. J'ai d'autres priorités. Si ça passe toujours ça. Ok, d'accord. Il veut jouer le coup sur ça et qu'après j'ai ça. Hein, parce que si jamais il répond à toutes les menaces, disons qu'il joue ailleurs, on peut pas faire ça parce qu'il y a cette séquence. Ouais, bon, ça par contre, c'était dur à voir. Il avait vachement rattrapé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur là? Attends, là, la séquence là, c'est une erreur pour lui. Là, c'est quasiment à égalité. Avec plus de temps, je pense que tu pouvais tuer au milieu. Ouais. Oui, je pense aussi. Ouais. Rien que là, sur la forme tout à l'heure. J'ai joué beaucoup trop précipitamment le M10. C'est dommage. Surtout que le premier coup est bien et je le gâche avec le suivant. Dommage. Tac. Ok, c'est ça qui est une erreur. Là, il faut laisser quoi. Il me renforce pour pas grand-chose. Et c'est ça qu'il faut jouer pour lui? Non. Plus gros là-bas, ok. Oui, effectivement, visuellement. Largement. Et j'ai eu le bon timing ici. Bon, cela dit, c'était pas trop compliqué de bien l'avoir celui-là. Tac. Ouais, j'ai pas compris pourquoi il a pas joué direct ici. Si je dois jouer. Ah, ça se joue. Mais du coup, j'ai mal répondu après. Ah, ok, juste bordel santé quoi. Ok. Bon, après, là, c'est la fin de partie. Et ici, bien dommage quand même. Là. Simplement. Et j'aurais été 13 points devant. Ok. Ok. Pensez à S16. S16. Pense à. Ici? Le problème, c'est qu'il connecte en fait. Je peux rien faire parce que, effectivement, je regardais un petit peu des trucs comme ça pour séparer. Le problème, c'est que c'est lui à son tour qui me coupe. Après S13. S13. Tac. Et du coup, maintenant S16. Qu'est-ce qu'il en dit, le PC?
Ça a l'air compliqué. Ah oui, bon, c'est un échange immense. Parce que je prends le coin, mais il tue ça. Un gros échange, on va dire. Après, j'étais devant 13 points, maintenant 7. Ça montre qu'il y a une petite différence quand même, je pense. Rien que visuellement, il y a plus de pierres ici que là, en fait. Mais je l'avais pas du tout lu, ce truc. J'ai dit, s'il veut garder le coin. Si ça, du coup, s'il garde le coin. Tac. Oh, ça revient à une séquence qui montrait tout à l'heure. Ok. Lui, le meilleur coup, c'est tout simplement faire ça. Pas trop renforcé, quoi. Ok, et on reste vers la quinzaine, quoi. T'as pas lu exactement ça? Oui, bon, t'inquiète, je pense que personne. Enfin, personne de notre niveau, quoi. Oui, voilà, c'est de la réduction, quoi. Bon, j'étais une quinzaine devant, ok. Hop. Je vais revenir dans un instant. Je vais aller aux toilettes et je reviens pour la partie suivante. À tout de suite. Alors, une nouvelle partie, comptabilité.
Alors. Tac. Plus grand monde hein, sur le KGS, c'est un peu triste. Que. Parti quand même. Enfin, s'il y a personne qui vient dans les une prochaine demi. Match. Y a personne non plus en plein après-midi en même temps. Ça peut être plus sympa. On est contraint de Dan encore. Et on est noir. Alors, qui c'est lui? Un anglais. Il a été longtemps 3 Dan qui est passé par les 4 Dan. Donc il a pas mal d'expérience, je pense. Et alors qu'est-ce que je veux? J'investis sur le bord sud pour continuer tranquillement en fait. Pas de raison. Chier. Cette pierre. Mais celui-là. Pas ça forcément très bon. Et quand même en deuxième ligne, quoi. Noir enferme tout, il est quand même très content. Là, il doit se dire merde, en fait, elle est là, maintenant c'est plus une si bonne idée, parce que je fais le contre Atari et ensuite j'enferme. Et même si je suis goté, j'ai un rayonnement et lui il fait quoi? C'est pas fou. Je pense que c'est une erreur S2. Alors très circonstanciel quoi.
Ouais. Il revient sur son idée, ce qui est un peu dommage du coup. Parce que il est complètement écrasé maintenant, quoi. Oh, va chier. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je continue mon mur? Pas trop haut, est-ce que je... Ça fait un très haut mur sans extension. Bizarre. Parce que là, il pourra pincer. Si je vais là, il peut aller là. Continue. Pince, quoi. Si je saute, attends. Rien à gagner, incroyable. Que je m'étendrai pas maintenant. De toute façon, avec cette pierre, je suis assez solide. Ou alors, est-ce que je pousse une fois? Risque, c'est qu'il ignore. S'étendre. Salut, Dioluct. Oh. Petit modérateur. Pas du tout sûr de la théorie ici. Hein, c'est... Je pense qu'il faut repousser une fois. Mais si blanc pince à la place, j'ai un peu peur en fait. Est-ce que le bord nord nous intéresse? Pour l'instant, pas vraiment. Ce bord-là nous intéresse, on a déjà investi une pierre. Pourquoi pas? C'est pas impossible qu'il tape Sansan, là. Tous les bords. Ah! Merde, ça va être compliqué, ça. Ou alors je laisse tous les coins et le centre, quoi. De hésiter avec des coups. Je regardais plus vers F17, mais en même temps, c'est la bonne direction qu'il prend là, puisque c'est là où il a sa force. Et cette pierre, je peux pas l'attaquer non plus si facilement, elle a encore toutes les directions. Après, je pense que j'aurais. Quitte à jouer plus loin, en fait, à sa place, j'aurais joué un coup en C11. Et s'il veut être proche de cette pierre, autant jouer C14. Bon, qu'est-ce que je veux maintenant? Peux attaquer cette pierre. Et ici. On va créer un peu d'action. Je pensais qu'il répondrait pas aussi bien aussi. Seulement pour légitimer ces coups ici. Genre jouer un coup vers là plutôt et que je monte là. Et il saute. Comme ça, il fait un gros potentiel. Salut, Raleur! Bientôt à râler autour d'un goban, du goban.
Bienvenue à toi, là je vois première fois sur le chat. Bon, je stream pas beaucoup non plus, hein, mais je vais essayer d'avoir un rythme un peu plus soutenu maintenant. Faire un petit programme. Ok. Une double extension, mais il est assez lointain, ça donne fortement envie de venir en C17. Je ne sais pas si c'est le bon coup, mais ça donne envie. Et en même temps, il dit ses pierres, je m'en fiche. Pour aller vers le centre. Ah, c'est assez serré. J'ai l'impression que cette direction, elle est pas très claire. Et que même s'il y va, il rampe, c'est pas très agréable. Je me demande si ce serait pas bon d'aller vers là. Ok, c'est bien toi. Bah, bienvenue à toi. Il n'y a pas tant de râleurs que ça, étonnamment. Ah, vous êtes... Moi, je suis sur ton Discord, du coup. Et je regarde... Moi, je suis allé dessus, c'est moi. Brise-toi. Je suis assez récent et je regarde beaucoup tes vidéos. Ce temps-ci, j'essaie de beaucoup m'en inspirer. Parce que ton jeu est quand même très agréable. On va dire, bah, tes vidéos sont très agréables, c'est bien posé. Merci pour ton travail, d'ailleurs. En même temps, la réponse semble un peu évidente, il va sortir, il va tout simplement séparer les pierres. Ça semble... Je sais pas. Des râleurs qui s'assument. Ah, de râleurs qui s'assument, oui. J'ai quand même envie... Ouais. Des fois, je sais pas, je me dis, il faut peut-être pas trop réfléchir des fois. Enfin, si, mais des coups qui donnent envie aussi. Oui, mais faut avoir envie de jouer ce qu'on pense. Ouais. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer là? Il me reste plus beaucoup de temps en plus déjà. La réponse semblait évidente pour lui, mais rien qu'avec ça, je trouve que c'est bien pour Blanc, puisque ça mène vers ses forces. Je suis pas convaincu de mon E14, effectivement. Tellement simplement sortir. D'accord, il préfère renforcer directement. Ce que j'ai envie de faire aussi. Hein. Séparer. Donc il va se trouver un peu surconcentré. C'est beau. Ça et ça, je n'ai pas. Ça. S'il saute ici,
Quand je suis là, ça pose un gros problème de coupe. Pas me permettre. Et puis, accessoirement, c'est le coup de forme. Faut pas les bouder. Ok, donc là... Il annonce clairement, j'irai ici... Essayer de prendre un peu d'avance sur lui. K14, non, donc K17. Le 17 n'était pas la forme. Le 17? H17, ok. Je veux dire, si je dois rajouter un coup, c'est que c'était pas le coup de forme avant, puisque oui. Heureusement, il y a 5 périodes, mais bon. Je crois que j'ai encore envie de sauter. Hein. Ah, c'est compliqué. C'est des périodes de 20 secondes ou quoi? Pas vu. Tansan, je suis pas sûr. Ok, d'accord. Petit power, ouais, oui. Et là, je suis pas sûr de laisser ça comme ça, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Mais du coup, à la place de H17, j'aurais dû directement monter en... Ouais, ça aurait été assez douloureux de pas obtenir ça. Parce que là, en fait, le problème, c'est que si je voyais K14 à la place de H17, je vais glisser au-dessous et je trouvais très très satisfaisant pour blanc. Mais en même temps, c'est sur la deuxième ligne, il aurait pas fait tant que ça de points, j'aurais pu avoir le Sansan peut-être. Comme cette pierre n'aurait pas encore existé. Ouais. Ouais, effectivement, peut-être que... Trop peur que... Mais en même temps, j'ai pas envie que blanc connecte tout. Ah, je sais pas. Ouais, je regarde après la partie. Ah, c'est des paires de 20 secondes. Ok. J'aime pas ça du tout. Peut-être que maintenant, je vais aller prendre le Sansan. C'est pas forcément incroyable ce que j'ai fait ici. Oh, c'est trop court, hein. Des paires de 20 secondes, c'est vraiment horrible. Tac, tac, tac. C'est moche, c'est moche. Pas du... Plus là, maintenant je laisse connecter, donc en fait ça n'avait aucune utilité de faire ça comme ça, il faut jouer. Beaucoup d'erreurs.
C'était de la jalousie, je pense. Merci pour le follow. Et encore bienvenue à toi. Ouais, il faut jouer avec du temps, oui. Faudra que je remette des parties un peu plus longues. Ouais, c'est assez lent, par contre, je suis d'accord. C'est assez lent. Oh, je suis déjà dans ma dernière période. Oh là là. Je sais pas. Sais pas. Ah! Oh non, c'est 20 secondes. Pff, ça va être horrible. Ah! On a encore début de partie. Enfin, tout début du milieu. Bon, je vais peut-être parler un peu moins. Désolé. C'est compliqué. De donner un peu d'action par là. Force Blitz. Bah voilà, j'ai pas le choix, effectivement. Ah, ça va pousser à faire pas mal d'erreurs, ça. Ouais, je pense qu'il joue ça. En fait, non, c'est peut-être une... Ouais, c'est une erreur, parce que là, ça, c'est pas encore stable. C'est une erreur de ma part. Oh là là. Possible de jouer en 20 secondes. Lui est content, hein. Isoler ça, c'est génial. C'est génial, c'est génial. C'est ridicule de faire un groupe comme ça ici, juste donner une force. Après, c'est un bon entraînement hein, d'essayer de trouver les bons coups en fin de Fuseki début de Shuban comme ça, en ayant les pressions. Ça peut être un bon exercice aussi, pas agréable. C'est un exercice. D'abord, bah, allez, il bloque. Ça, tac. Qu'est-ce qu'il ferait ici? Place de ça, qu'est-ce qu'il a comme option? C'est ici. Ah, ça retarde. Pense que c'est ça qui pose problème en fait du coup. Il devrait aller en obi ici. En J8. Il y a une coupe ici qui, un jour ou l'autre, pourrait se réveiller. Ouf, j'ai faim. Peut-être prendre tout.
de faire des erreurs. Là, ça commence à puer pour moi. Mauvais. Aïe aïe aïe. C'est pas bon. Le mur que j'ai créé en face de ça. Aïe aïe aïe. Au moment ça a pété. Bon, on va chercher la vie quand même. Là, normalement, il y a un œil là. Il y a un œil là. Je suis pas fier. Pas fier, je suis pas fier. Ouais, c'est logique. Faut qu'il fasse attention à ses coupes un jour ou l'autre, mais pour l'instant, pas grand-chose à craindre. Ouais, il faut souffler, ouais, je sais. Mais. 20 secondes. Souffler, ça utilise déjà un dixième de ce temps. C'est fou. Aider ces pierres. Le coin est tellement. Vas-y, allez. K12 avait l'air de tout relier élégamment. K12. Je t'avoue que là, je regarderai plus tard. On verra ça. Il a peut-être de meilleures options pour me foutre la pression. Oh là là, mais il tape partout par contre, il est agressif. Hein. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose non plus pour lui. Hein. Taquet, je pense. Pas fini en plus toutes ces histoires, hein, donc je sais pas si c'est une bonne option pour lui de faire ça. Il s'est mis un peu dans une situation embarrassante là. Je vais jouer l'idiot, je pense que je vais connecter solide.
En fait, je... pas le temps. Dommage, ces séquences-là, j'aimerais bien lire. J'aimerais bien lire, mais... donne très envie. Ça donne trop envie. Moi, j'allais où? Ou lui? Lui, je pense l'invasion. Oh, j'ai oublié que j'avais plus que 20 secondes. Je voulais trop réfléchir. Oh non! Parce que moi je vois ça. Oh, déjà, je vais lui dire merci pour la partie. Oh. Je voyais ça là. Tac. S'il veut vivre absolument, il fait ça. Là, si je vais là. Ok, autant pour moi, il n'y a rien. Ah. Tiens. Ouais, 25 minutes, je devrais plutôt. Mais trop de temps. Bah, c'est... Non, je mets pas trop de temps, c'est seulement que je fais des parties trop courtes. Un quart d'heure, c'est trop court. Ah non, là, c'était la pression d'un quart d'heure. Là, c'était 10 minutes, encore pire. Mais c'est bien, je prends plus de temps pour le Fuseki, mais ça bouffe tout mon temps, en fait. Et après, c'est fini, quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est bête de perdre... N7? On va regarder ça. N7. Attends. Là? Il a deux yeux, hein.
Je pense qu'on peut pas tuer là. Vais regarder un peu avec Catherine pour voir. Enregistrer la partie. Regarder ça avec le bot, voir ce qu'il en pense. Il s'appelait Stigolem. Ça. Et... Bon, déjà on le voit, hein, c'est il menait large, assez largement la partie. Alors, le début de partie. Là, ce coup-là, j'étais pas sûr de moi, parce que j'ai l'impression d'être écrasé déjà dès le début. Bon, après, je suis pas sûr que ça vaille grand-chose, hein, mais... Alors, on verra. Je joue là. C'est temps ici. Je fais la pince. Point, je défends. Il fait ça. Tac, tac. Bon, après, oui, tout ça, assez classique. Et ensuite, je vais là. Et ce coup-là, je n'étais vraiment pas sûr. Je savais pas quoi jouer trop. J'hésitais avec ça. Et après, oui, n'est pas à faire. J'avais peur, en fait, quand je vais là, il aille là. Après, oui, non, non plus. Bon. Mais ce genre de coup, j'ai encore énormément de mal, par exemple, à faire. Je connais pas bien ça, je manque de Joseki. J'aurais pas trouvé. Et je cherchais une manière efficace de protéger sans qu'il puisse prendre le coin trop facilement. J'ai opté pour ça. Ce qui n'a pas l'air d'être une grosse erreur. Il approche en haut. Ce genre de coup, j'ai un peu prohibé de mon jeu, en fait, je sais pas pourquoi. J'aime pas trop aller au contact directement. Avant, j'aimais beaucoup. Je préfère largement ça, maintenant. Oula, le PC, là, c'est bon, il veut faire que ce coup-là. C'est quoi, c'est à la mode, ça, ou... Bizarre. Il va là-bas. Je fais le coup de pression. À la pince. Je suis content, il y a souvent des coups que le PC dit pour... Il vient là... Ok. Tout ça. Ça, ça se joue. Tac, ok. Tant mieux, carte des intuitions. Là, j'ai hésité. Les autres, non, pas trop. Ok. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Et... J'essaie de regarder un petit peu. Ça, ça semblait pas fou en tout cas. Si. Et pour déformer, là il peut avoir son fameux coup. Ok. Il peut avoir K14. Ce qui est cool quand même en vrai. Mais ça s'est passé comme ça. Il monte, je monte. Ok, rien de trop choquant. Là, je dois mettre la pression. Voilà, j'aurais pas pensé ça. Pour moi, je dois regarder ça. Ça. Il va ici. D'accord, toujours là. Je voyais ce groupe comme plutôt très stable. Du coup, j'aurais pas pensé à l'attaquer tout de suite. Surtout, ben, en deuxième ligne, comme ça, du coup. J'ai l'impression que c'est... assez lent. Mais cela dit... Ça a l'air d'être une erreur, le set. On doit pas le faire, ça. Ok, ok. Bon, on va regarder plus tard. Ouais, depuis le Sensen. Là, la partie est encore serrée, et à cause du Sensen, je prends en retard. Assez conséquent, d'ailleurs.
Dommage. La gourmandise. Bon. Lui, la connexion, comme tu disais, du Electa, c'est assez lent. Là, je me souviens, ce coup-là, j'étais, il me restait une seconde, je fais, oh, je sais pas. Et là, je viens ici. Oui, c'est le bon coup à faire. Ah, tac, tac. Tac. Ça se joue, a priori. Doit répondre. Très grosse erreur. Très grosse erreur, en tout cas. Lui, il a avancé là-bas et j'ai protégé. Oh là là là. Pas montré dans les écoles. Hein. Si, quand il fait son erreur, du coup, je dois prendre. Ça. C'est vrai que ça fait un sacré bord. Je peux. Ouais. Et je repasse devant un pourri. Ouais, le bokeh-mage déchiré, hein, effectivement. Donc, quand il va là, je dois protéger. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? On prend cette séquence. Il peut pas bloquer. Il y a beaucoup de problèmes. Donc j'avais l'impression que j'avais pas le temps en fait de répondre. Si. Mais ça va, je suis assez solide, je respire encore. C'est un peu bête ce que j'ai fait. Si encore je dois prendre. J'ai l'impression que. Ah, c'est pas. Si j'allais là. J'avais peur du truc comme ça, mais en fait ça passe. Toujours la même idée. Ok, il sera goté parce que je peux encore sauver mes pierres. Après j'ai pas le. Il a une force cette fois-ci, quoi. C'est ça qui change. À partir de ce point-là, je suis en retard tout le long de la partie. Ça, c'est un coup, c'est de l'overplay, je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Je vais plutôt essayer de vivre. On va regarder ces moments-là. On va regarder d'autres séquences. Donc ici, quand il envahit. Vous pouvez me permettre ça? Il monte, je pense. Hein. Ah, je sais pas. Peut-être pas que je regarde trop les coups des bots. Peut-être ici, là, il a fait une grosse erreur, a priori. Comment est-ce qu'il vit? Là, je joue ça, il va là, je joue là. Attends, quoi? Donc le approuvé, le bot estime qu'il est 100% vivant. Regardez. Oui, bah oui, de toute façon avec ces séquences-ci. La partie est plus serrée que je le pensais par contre. Je me voyais plus en retard. C'est assez serré, ouais. 1,4. Bon. Ça veut dire 4. Bon, c'est comme ça. Hein. Je vais m'arrêter là, je pense. Hop là. Je vais m'arrêter là. Et je reprendrai lundi ou mardi, je vais voir. Mais ce sera en matinée ou après-midi, je sais pas. De toute façon, je vais essayer de faire un programme et de marquer ça un peu. Et de toute façon, on se voit au club. De toute façon, je pense. Peut-être essayer de venir mardi cette fois, parce que ça fait un moment que je suis pas venu le mardi. Ouais, bonne fin d'après-midi à toi aussi, Raleur. Et merci d'être passé. Ça fait toujours plaisir. Là, je vais aller. J'ai hâte, ce soir, je vais en crêperie. Je pense à se faire faim. Allez, je vous dis bonne soirée à tous.
Samedi, initiation à la médiathèque. D'accord. Je sais pas si je serai là, on verra. Parce qu'il y a le réveillon la veille, on va dire. C'est dur. Ouais, à vous aussi. Allez.